Soldat Sora, au rapport, comment allez-vous? Eh Sora, j'ai trop évolué dans Ni no Kuni. Je suis level 27. Tiens, Chris qui lâche le pognon. Hello les jambons, histoire de flex mon message de moisifère. Moisifère, quoi? Payez-vous mon capitaine. Merci pour le kebab, Chris. Enfin, en vrai, avec l'inflation, merci pour la frite. De moisi... Ah, moisiversaire, d'accord. Ça va, Sora. Sora, hey, mon perso, il est trop beau sur... enfin, selon mes goûts. Sur Ni no Kuni, je suis level 27. Mais j'ai pas avancé les quêtes histoire, j'attends d'être en stream pour le faire. Ok. Donc voilà sur XCOM 2. Donc on avait débloqué les armures gardiens. Et... C'est déjà pas mal. Maintenant, on améliore les armes. On a sauvé Madagascar. Ce que j'allais dire à peine le supplément frites. Après, si je mets supplément frites, j'ai peur que ça... Ça va pas booster les gens, ils vont se dire bof. Alors qu'en vrai, merci quoi qu'il se passe quoi. C'est toujours des sous-sous que je gagne en jouant, donc tu vois, je vais pas me plaindre. Ouais non, le projet Avatar a grave bien reculé. Mon but, c'est d'aller contacter l'Afrique de l'Ouest, d'exploser ce sort de labo bizarre là. Et entre-temps, il faudra que je fasse une nouvelle salle. Commandant, nos capacités de communication sont à leur maximum. Si nous voulons pouvoir établir de nouveaux contacts, nous devons améliorer notre système. Sora, j'ai battu mon premier boss, j'étais dans les 15 premiers DPS. Tentative de contact régional local. Merci Sora. Tiens, en Afrique de l'Ouest, ils sont pas très bronzés, on va dire ça comme ça. Dans cette région, commandant. Nous pouvons nous rendre aux coordonnées trouvées dans le codex. On va directement aller au casse-pipe. Ah, de mes potes, c'est mis à Genshin, il a dit du mal de Klee. Est-ce que c'est vraiment ton pote? Alors, c'est même lourd, son de la délite, Chrysalis. Chrysalis, c'est quoi? Je crois que c'est les araignées Starship Troopers. Bon, on va attaquer ça. Hein. Alors, on va enlever Splash. Sora t'es là. Chris t'es là. Donc, ça me ferait Bubu soin. Deux snipers, c'est peut-être beaucoup. Quoique ce soit difficile. On va profiter pour XP un peu. Sarah est secouée, ça vaut pas le coup. Maman, il est là. Sandwich, on va le prendre parce que j'en ai besoin contre les robots. Et moi je pense que je suis pas là. Va-t-il d'être un ami dans ce cas-là? C'est une excellente question. Tu sais, c'est pas le fait qu'il mérite pas d'être ton ami parce qu'il aime pas les mêmes choses, mais s'il respecte pas les choses que t'aimes. Il m'a dit qu'il a eu Klee, mais qu'il n'avait pas joué car c'est un mauvais perso. Putain. Je te jure, dans Genshin Impact, ça commence à me courir sur les noisettes, machin est un mauvais perso. Genre frérot, joue avec le perso que t'aimes et tais-toi, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de mauvais perso. Après, peut-être genre Kaya, Amber, Lisa au début. Et même là, je suis sûr que si je vais sur YouTube, il y a des mecs qui ont fait des builds de malade mental avec, quoi. Qui c'est quand XP Ganyu, Mama. Femcute, je peux pas encore le jouer. Bon, on va prendre Splash. Peut-être qu'il va pouvoir évoluer aussi. Peut-être comme je le prends pas souvent, il évolue pas justement. On va prendre Splash, vas-y. Dit que le meilleur DPS c'est Dick. Elle est amoureuse de lui. Sora, franchement, heal. Je suis là. Basculer, c'est pour ça. Ah, j'égale, mais. Laisse béton.
En vrai, pour moi, et pourtant, j'ai Diluc. Je dirais que Klee est meilleur que Diluc, mais bon. Même, laisse-le. Il s'amuse avec Diluc, mais il était pas obligé de parler, quoi. J'ai du stuff 3 étoiles et tout sur Ni No Kuni, laisse tomber. J'ai laissé mon ordi tourner, le mec il tapait tout seul. Comme Dragon Ball, Legend Way, Krillin et Tosef, ma purée, il m'a sauvé la mise plus d'une fois avec ses précieux et son sens. Non mais Chris, si tu veux, t'as des jeux, ils sont bien paramétrés, et en théorie, la totalité ou la plupart des personnages sont utiles. Mais t'as des gens. Je veux dire de la merde, DB Legend j'y joue pas donc je connais pas, mais genre si t'as pas, il va te dire si t'as pas Vegeto, Janemba et j'en sais rien, Kid Buu, il va te dire c'est de la merde. Et le problème sur Genshin c'est trop ça. Si tu joues tel perso on va te casser les burnes, si tu joues tel perso avec tels artefacts. Je pense que Sora et moi de ce côté là on a le même truc quoi. Mikkelin c'est the best human en DBZ, ouais j'en ai même fait un article. Je lui ai juste dit que perso Klee, mon perso préféré, c'est tout. Non, mais t'arrêtes. Franchement, je vais te donner un conseil, parle même pas. Genre, c'est des fois, genre, vas-y, tu sais, genre, laisse. Alors, je dois aller où? Trouver le point d'origine du codex. Ah, mais je sais pas où il est, moi. On va aller à la maison. J'embrasse Splash comme ça, Chris, il va pas dire que je l'envoie au casse-pipe. Enfin, j'enverrai au casse-pipe après. Ok, on voit pas d'ennemis. Allez, on se remue. Merde. Merde. Double merde. Mais comment il m'a grillé? Triple caca. Je sais que quand j'ai SEO et Clean dans la même équipe, certaines personnes me disaient quoi, tu as deux mains. Non mais la main, moi j'ai arrêté de parler. Moi on me fait chier avec Ganyu et Yaimiko par exemple. Donc depuis je suis en mode genre ouais. Ok, tout va reposer sur Sandwich, autant dire que c'est la merde. Bonjour mon frère, il joue au team du début pendant longtemps. Non, non, mais je suis sûr, il y a moyen de faire des trucs viables. Attends, j'ai fait le protocole de scan au lieu de faire le. Oh, le misclick. Oh, le misclick. Oh, je voulais hacker le mec. Oh non, il va me balancer les grenades. Nom de Dieu. D'accord, j'y vais. Comme ça, on t'a dit des trucs. Ouais, genre Ganyu et Miko, faut pas la jouer ensemble, je sais pas quoi, mais j'étais en mode genre. Pff, j'ai arrêté. Tiens, je t'ai pas dit ça. Il y a un mec qui m'avait envoyé un commentaire sur le site, il m'avait insulté, mais pour quoi. C'était par rapport à Genshin Impact, et je te jure, il m'a insulté sur genre. J'avais joué avec quel perso. Je sais plus, je suis allé faire Tartaglia avec certains persos, il m'a cassé les burnes. Il m'a fait ouais, faut vraiment nanana, nanani. Je me suis dit, oh, putain, si le mec s'est pris du temps à aller voir peut-être la vidéo et à lire l'article et à faire ça. Donc, en PvP, il y en a qui ont eu les glandes quand ils ont réussi à battre mon Goku, signe. Putain, que je le fais repos grâce à notre petit chou adoré. Ouais, non, après tu cheat et tout. C'est... Bah, tiens, Elden Ring, tu y joues avec Chris. J'ai un pote, je sais plus, il joue comment. Lui aussi, on lui casse les burnes. Genre en mode, ouais bah c'est que t'as pas vraiment joué au jeu si tu joues avec telle classe ou si tu fais telle feature. Je vais me faire exploser au prochain tour. Tout de suite. On va essayer de sauver Splash. J'ai l'impression que si tu rentres pas dans le case, genre. Non, mais exactement, si t'as pas même l'arme parfaite et tout. Il y a un moment, c'est bon, tu sais, je peux jouer comme je veux, quoi. Je fais une pause sur Elden, la capitale est trop chaude de ouf. Ah, d'accord, ok. Vas-y, Chris, sauf Splash, enlève un DPS. Dommage. Par contre, l'autre, ouais, non, voilà, lui, il va m'exploser la gueule. S'il attaque Splash, j'avoue que ça peut m'arranger.
T'as eu de ces artefacts pour Bennett? Ah ouais? Oh putain, il y a un monstre qui est en train de venir, c'est les araignées là de Starship Trooper. Mais je sais pas pourquoi ça bug. On dirait qu'il marche indéfiniment ou il creuse. Ouais, lui, je l'ai mis en tir mortel, ça bouge, il tire. Ok, je crois qu'il l'a fumé. Bien joué. Voilà, je pense pas qu'il l'aura. Ah ouais, lui, c'est barré. Ah non, il tire, non. Alors lui. Ah non, lui, il attaque pas? Si. Tant mieux pour moi. Je viens de s'oublier, recharge d'énergie. Eh ben, attends, on va jouer Sandwiss. Il est où ce petit escroc? Sandwiss, qu'est-ce que tu peux acquérir? Oh, pas mal ça. Extinction 100%, contrôle ennemi, ça, d'accord. Je vais voir la tourelle, peut-être j'ai un meilleur taux. Vous savez que ça me tue, genre l'ennemi il voit pas le drone qui vient autour de lui ou je sais pas. Alors j'étais à 100 et 53, là je suis à 100 et 57, vas-y on va essayer. Oh non, Sandwiss. Sandwiss, bordel de merde. Je fais tout pour invoquer Goku Ultra Instinct maîtrisé mais c'est galère. Ok, Sandwiss ils mettent pas là. Tout va reposer sur un paquet de personnes dont Sora. On va jouer Sora et on va refaire une Grenados. Comme ça va lui enlever de l'armure et comme ça, si je lui enlève l'armure, il va encaisser. Il va subir plus de dégâts. Oh, Sora a classe l'arrière de l'armure. Voilà, il n'a plus qu'un point d'armure. On va lui arracher un peu le cul. Prendre Bubu. On va redéployer Bubu et tirer. Pour le moment, personne n'est blessé. Je vais me mettre en position. Cible coriace, dégâts nuls. En théorie, lui, il peut le buter. Ou bien le blesser. Super. Alors la tourelle ou le mec? Vas-y, si tu tues le mec, ça me rendrait vraiment service. Parfait. Même lui, il a dit voilà, étonné. Bon là, le problème, c'est le splash et le vioque, parce qu'ils vont se faire arracher par la tourelle, mais ils peuvent pas lui tirer dessus d'ici. Si je mettais splash sur le toit, la tourelle, elle peut pas lui tirer dessus, je pense. Ça me permet d'avoir la vision. Merde, il y avait les araignées. Peut-être j'ai mis Splash dans la merde. Parce que les araignées, elles peuvent bouger pendant mon tour, ça me stresse. On va mettre Chris là. Oh merde, Chris, il va se prendre la tourelle. D'accord, ils sont de l'autre côté de là. Ok, je sais où ils sont. Merde, il attaque quoi là? Il attaque Sora. Je peux plus bouger, il me tire dessus. Bon, Sandwiss, t'es où? Tant que tu deviennes un peu plus utile maintenant. Vu que tu tires sur Sora, autant la rapprocher.
Toi aussi. J'ai remarqué, on n'est pas beaucoup à pas mettre un rond dans les jeux des fois. Voilà, ça lui enlève l'armure. Sur ta vue, elle a dit boum, elle a pas dit kaboum. Puis en vrai, je la mettrais bien en vigilance. Oh, touche au moins, je sais que tu tueras pas, mais touche. Ok, j'ai rien dit, pardon. Bubu, tu vas recharger et je vais rester en vigilance. Regarde les stats de certains de mes persos, A et B. À ce moment-là, ça aura splash vigilance. Parce que je sais qu'il y a les araignées de l'autre côté. J'ai pas envie de me faire arracher le fiac. Après, en vrai de vrai, si je maîtrise là, ils peuvent pas monter l'escalier. €5 pour 10 tirages? Putain, ils doivent se faire des. Parce que j'imagine que des gens doivent acheter, donc ils doivent se faire de l'argent. Alors j'entends le truc qui se déplace, mais je le vois pas, ça me stresse. Jus, il faut que tu ailles sur le toit. Pupu, tu vas aller là. Tu vas aller là. Sandwich, tu vas rejoindre tout le monde. Non, Sandwich, il va se faire agresser, je sais pas pourquoi je le sens. Bonai Namco en même temps. Tu es Toritic 5. Ah ouais. Splash, tu vas te mettre en vigilance. Chris, tu restes en vigilance. Mais ils n'ont pas l'air de venir vers moi. En fait, j'ai envie de sécuriser la maison et d'avoir Jus dessus. Quand le petit Jus sera dessus, ça devrait aller. Ce qui veut dire qu'il faut que j'envoie Chris et Splash au casse-pipos. En gros, je sais qu'il est là. On va mettre Chris par là. Jus de pomme, il va là. Splashouille. Il va aller de l'autre côté. En fait, j'aimerais la jouer. La même, moi aussi, j'aimerais bien la jouer parce que je joue que. Ah, c'est. J'aimerais bien la jouer aussi. Attends, ils se déplacent. Ouais, ils m'ont vu. Enfin, ils ont vu Splash. Par contre, j'ai mis des gens en vigilance. Pourquoi ils ont pas tiré? Ok, on va voir après. Sora. On va te mettre là en vigilance. Sora, je suis sûr t'as soufflé comme elle quand t'as vu ton taux critique. Toi, je sais pas où je peux te mettre Sandwich, c'est ça le problème. Toi, si je te laisse là, tu vas te faire arracher, je le sens. Est-ce que je te rapprocherai pas de Chris? Sandwich, j'ai rien pour te mettre à couvert et j'ai Bubu. Bubu, il faut la mettre en vigilance parce qu'elle va arracher le jeu. Sandwich, si je te mets dans la baraque, je crois que tu peux tirer. Oh, pas mal. Pas mal ça. Tu peux peut-être tirer par la fenêtre, on sait pas. Là, on va voir ce qui va se passer. Ils vont attaquer Sora. Non, oh, encore un groupe.
Vas-y, Sora! Yann, fais-moi ça. Dommage. Ah non, exécution, tu l'as tué! Et bim, clic, il lâche un petit 15k. Bah là, t'as lâché un 15k dans mon jeu. Oh, Bubu. Splash Noodle. Putain, Splash qui casse le truc. Chris. Super, plus qu'un. Le dernier, il n'y a plus personne en vigilance, donc il va se faire plaisir. Ah, Sandwich dans la baraque, genre. Sandwich qui va aider Sora. Ouais, il a blessé, mais il a pas tué, dommage. Sora. Splash a raté, ouais, Splash il a raté. Il a visé un pigeon. Sora qui a dit merci mon armure, je crois. Ok, toi... Toi, reste en surveillance. Sandwich, fume-le, comme ça, Sora peut se déplacer. Éloigne cette araignée mutante. T'inquiète, Sandwich, il va être utile. Le soldat Bubu. Plus grand soldat de tous les temps. On la met en vigilance. Ça va être les deux là, quand ils vont avancer, ils vont se faire agresser. Allez, on se remue. Je passe en vigilance. J'espère que ça vaut le coup. Tiens, on dirait que Sora n'a pas été empoisonné, parce que ces créatures, normalement, ils te donnent un peu de sida, genre. Je sais qu'il y en a en face, mais j'ose pas avancer. Ah, ça arrive? Non. Bon, on va avancer, je pense, hein, malheureusement. On va commencer à ramener le soldat Sora vers le gros des troupes. J'aimerais tellement pouvoir créer de la moelle cristalline. Tu sais où on trouvait ou non? Ok, on va envoyer Splash au casse-pipos. Faut pas que ça traîne. Affirmatif, je couvre la zone. Je suis en route. En vigilance. Ok. On va d'abord avancer Chris. Non, la voiture, j'ai pas envie que ça t'explose dans la gueule. J'ai trop des flashbacks maintenant à cause des voitures. Ok, là je pense que Chris va se faire agresser. Mais ça, la bouteille de gaz, ça explose, je pense. On va voir. Eh merde, j'ai réveillé quelque chose. Oh, voilà, la vigilance. Oh putain, il y en a un deuxième derrière. Dommage. Super, il est blessé, mais pas tué. Ah, peut-être Chris va le tuer lui-même. Bien joué. Ouais, par contre, non, merde, Chris il va prendre tarif. Ah, quoique, Splash. Splash a décidé d'aider Chris. Merde, si j'avais mis Bubu en vigilance, il serait pas dans la merde. Sandwich, non? Pourquoi il n'y a pas eu Screamer? Ah, raté. Super. Il y en a un troisième. Et là, il n'y a plus de vigilance. Non, si? Ah, ok. Screamer! Mais tu es là. Screamer! Salut, Zatch. Zatch, en vrai, peut-être ce soir. Par contre, là, on dirait que je suis sur une autre planète. Hein. Zatch, je suis level 27 sur Ni No Kuni. Et j'ai 100 000 de PC. Faut pas me louiner, sinon tu le payes direct. Je règle mon
Chris il me tue quand il parle parce qu'on dirait qu'il parle comme s'il était le perso dans le jeu. Genre il est fier de son avatar virtuel. Non, pourquoi pas, c'est bien, mais je veux dire, ça me fait toujours délirer. Merde, merde, ça va exploser sur Chris. Ça avance fort, je suis 42 maintenant. Coordonnées du... Chez... Ouais, c'est un truc avec le codex, je dois trouver quelque chose, mais je sais pas quoi. Oui, c'est le point d'origine où les cybercidaï qui m'attaquent. Affirmatif, je couvre la zone. Tout de suite. En vigilance. Ah, la voiture, elle cache ma elle baisse ma précision. Ça roule. Ah, je vois quelle mission c'est. Ça c'est pas positif pour moi, parce que je me souviens, c'est qu'il devait se passer un truc alors. Merde, splash je peux pas... Mais après je peux pas mettre splash. Vas-y, mets splash vers la Gova au pire. C'est pas trop tôt. Reste en observation. Problème c'est lui là. Voilà, en théorie, t'es tranquille, je dis bien en théorie. Voilà, et là, même s'il t'attaque... Putain, ça sort de partout, ces merdes. Franchement, j'aurais bombardé. Ah non, c'est juste un point de scénario, ok. Genre... Attends, mais le rayon était sur lui. Putain. Eh, j'aime trop. Ils ont tous raté, mais j'aime trop, tu sais, il est encore dans le ciel, quoi. Ah non, Chris, tu vas prendre cher, là. Trois vigilances dans le vent. Bon, le soldat Bubu elle blesse, peut-être Escrimeur pour aider. Oh, le soldat Sora, il t'a sauvé la vie. Ah merde, mais on a un autre, il regarde bien Sora là. Voilà, j'en ai eu un. Matrix style, grave. Ah non, là. Oh, Sandwich! Pas propre, franchement Sandwich mérite sa promotion. Super. Affirmatif, je couvre la zone. Ah ouais non, Sandwich là, franchement, chapeau l'artiste. Sera beau boulot, t'as bien sauvé la vie du Viac. Ouais non, j'ai pas de rechargement gratuit. Ok, je bouge. Chris il est un peu trop en avant. Je suis parti. Et vu que ça sort d'un peu n'importe où, faut que je reste sur mes gardes quoi. Merde. Je vois pourquoi la musique elle change comme ça. Y'a un ennemi qui m'a vu mais je sais pas où il est. Le Viac aussi, bah tu vas recharger et rester sur ta position. C'est pas l'intérêt de donner non à tes persos quand c'est merde. Non non justement mais... Ce qui me tue c'est que t'es fier comme si c'était toi. Mais c'est bien justement, ça me faisait rire. Mais ça me fait délirer si tu préfères. Alors il y a quoi? Encore une araignée? Non, deux au moins. Ok, donc en rouge, je vais avancer, je vais me faire attaquer. Toi, t'es pas un peu trop loin pour sniper en vrai? Scan en cours. Je vais me mettre en position. Le protagoniste, il est pas encore là. Là, il faut que je crée la salle. Je passe en vigilance. Je me dirige vers la position.
Sora, elle va protéger Sandwich. C'est là le plus dur. J'en ai marre de poireauter. Scan en cours. Ouais, j'y vais. Vigilance. Je suis obligé d'avancer comme ça parce que les araignées sortent de nulle part. Par contre, je laisse le sniper tout derrière, c'est peut-être dangereux ça. Non, à un moment, il pourra plus viser. Ouais, non, en vrai, tu sais quoi? Tape un gros rush. Parce que si tu te fais attaquer tout seul, je pourrais pas te sauver. J'espère que ça vaut le coup. Viens par là. En vrai, dans la réalité, je sais pas comment tu ferais pour affronter un ennemi qui pourrait sortir de terre comme ça. J'imagine il faudrait scanner le sol, mais même là, ça doit pas se scanner facilement. J'y vais. Tout de suite. Ouais, faut prendre les hauteurs si je veux être tranquille, comme ça j'amène le sniper en haut. Ça me semble être un bon plan. Ça m'offre le visu. Ah bah ça doit être ça le point d'origine. C'est quoi ça? Une Stargate? Genre il se téléporte et tout. Voilà. Je vais porter le coup de grâce. Allez, allez, allez. Pouvoir 6 pour le prix. Ah bon? Oh putain. Y'a un boss qui va en sortir ou une connerie? Qu'est-ce que c'est que ça? Une Pokéball? Je ne sais pas ce que nous comptions découvrir ici, mais ça a l'air vraiment très prometteur. D'accord, donc j'ai une sorte de Pokéball. Cette porte peut mener n'importe où, peut-être même ailleurs que sur Terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous devrions la rapatrier sur le vaisseau pour l'examiner plus avant. Non! Alors je sais absolument pas. C'est quoi? Genre, ça c'est. Il tire des rayons. Putain, il a 6 d'armure. Oh, il a trop d'armure. Pokéball. Non, je sais pas, je suis fini. J'ai tiré dans le vide. Non, je suis en danger, j'ai 3 avancées. Et comme je sais pas ce que c'est, je sais pas du tout ce qui va se passer. Chris, tu vas rester en vigilance malheureusement, je sais pas ce que c'est. Hein. Putain, il y en a plein. Mais toi, il faut que je t'enlève ton armure. Ah merde, tu te déplaces, Chris, il tire. Non, Chris, il tire sur une araignée. Quoi, Zatch? Non, vous allez vous faire agresser. Ah, tiens, j'avais pas clavé Screamer Splash. Pas mal. En plus, tu le brûles, pas mal, il te mourra au prochain tour. Ah, les screamers de Chris, non? Oh, oh, la belle doublette. Franchement, c'était beau, ça. Beau jeu d'équipe. Souviens, je te disais que tu disais 16 aliens, le sectopode et un autre, c'est l'autre. C'est ça, le gardien? Oh, là, franchement, vous faites un très beau jeu d'équipe, là, Splash et Chris. Ok, Zatch. Zatch, t'inquiète, ce sera bientôt ton heure de gloire. Oh, dommage, mais c'était trop beau, sinon on allait ouvrir un resto sushi. On tire dessus. Donc c'est ça un gardien? Mais alors c'est quoi? Bien joué, Splash il est vite quand même, hein. Grave. Oh, Vuvu. Attends, Vuvu, elle lui tire dessus dans le sol. Et elle l'a tué. Oh, Vuvu, c'est le danger.
Bubu, elle peut sauver cette planète. What? C'est quoi ça? Quoi? Des tentacules? Qu'est-ce qui... Quoi? Attends, qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, il faut le sniper. Tiens, il n'y a que 3 points d'armure, il en avait 5. Donc quand il s'ouvre, il a moins d'armure. D'accord. C'est la merde. Attends, là, je suis perdu. Mais là, j'ai pas compris, il leur a fait quoi? Il leur a fait des dégâts ou... Parce que j'ai vu intouchable, intouchable. Ah, quand tu tues un ennemi, t'es intouchable. Ok, je viens de comprendre, je crois. Bubu, elle pourrait lui faire tellement mal. Non, attends, laisse-moi réfléchir. D'abord le sniper. Ma fulgurante sur l'araignée, on peut pas, elle est trop loin. Ok, alors on fait un gun sur ça et puis on tire sur l'araignée. Un dégât seulement. Putain, ça va prendre du temps. Oh merde, quand il prend des dégâts, il referme son armure. D'accord. Vas-y, élimine l'araignée. D'accord, en fait, ça va lui faire le max de dégâts quand il est ouvert. Sora n'a pas de grenade. Et l'autre, là, il a découvert. Piqué a des grenades, Sora n'en a plus. Ouais, mais, alors, bah, mettre en vigilance au pire. Non, 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 non. Déjà, on va séparer tout le monde parce qu'il a l'air de faire des sortes d'attaques. Il fait les boules violettes de Mewtwo dans Super Smash Bros. Bubu peut-être en heal, parce que je sais pas, Sandwich, il faut que tu te casses. C'est pas une machine que tu peux hacker, ça, Sandwich? Bon, écoute, c'est toujours ça. Ah non, même pas considéré comme une machine, parce que ça ferait 8, pas 4. La grenade, je pense, pour enlever de l'armure, ouais. J'aurais dû commencer par ça, en vrai. Mince, je crois que ça lui enlève pas son armure. Ah si, un point. On redéploie Bubu. Merde, Bubu elle a qu'un tir. Tant pis, on tire maintenant, on recharge au prochain. Pas mal, Bubu, pas mal. Merde, il en veut à Sora. Non, il en veut au sniper qui a découvert et qui va mourir. Ah ouais. Ultra laser. C'est un Pokémon. Non, c'est vraiment. Attaque de Mewtwo, attaque de Dracolos. Bon, on va soigner notre ami là. Sora, tire-moi dessus. Sora, elle attend que Bubu elle récupère son drone. Bubu, le Pokémon de... Comment pourquoi je l'aime pas? Bah ouais. Voilà. Sora, elle a dit fuck Pokémon. Ah, c'est pas encore fini. Vas-y, venge-toi de l'ultra laser. Petite explosion nucléaire là. C'est pas fini encore! Putain, mais il y a combien d'araignées?
Je joue à Starship Trooper en fait. Ok, vu que Splash est blessé, je vais le laisser à en retrait. C'est toi que j'envoie au casse-pipe. Oui, avec plein de zombies, je crois, ta photo. Et c'est Chris que je vais envoyer là. Parce que t'es full life. Le bug que je viens d'avoir, c'est Genshin, j'en suis le Tidiumia et Jack Olson, genre Team Rocket. C'est à cause de la Pokéball, là. Elle a pokémonisé le jeu, ton jeu, l'univers. Oh bah GG Sandus, c'est sorti, c'est reparti. Ennemi éliminé. C'est une poké soirée. Menace un sac. Statut... Oh, on a réussi. Tous les contacts hostiles ont été éliminés. La porte est sécurisée. Oh. Et en théorie, ça va faire. Ça a repoussé le projet Avatar. Vous savez, à mon avis, je pense que c'est relié aussi au film Avatar. C'est pour ça qu'ils ont pris des années à sortir Avatar 2. Point. Point, 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 point. Plus gros dégâts. Lieutenant jeune. Jus Corbeau. Le plus offensif. Colonel Boua Bubu. Imnel Bububi. Le plus visé par l'ennemi, lieutenant Sora Kaboomkli. Plus long déplacement. C'est quoi CNE alors? Seacole, c'est colonel, capitaine? Capitaine Splash, Gottman Noodle. Splash, il m'a toujours pas dit c'est quoi son truc, hein? Le pseudo. Même jeu, il a pas compris le move de sandwich, il a ramé. Oh non, mais même le jeu, il a fait genre. Attends, il est mort là? Il a vraiment fait un coup critique. Ils ont tourné tous les avatars, c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Ah, genre Avatar 3, 4 et 5, c'est déjà prêt? Ou c'est. Ah, d'accord. T'es sûr c'est pas à cause de moi qui fait reculer le projet Avatar, Sora? Sora, franchement, achète la même casquette et la même capuche. Même la même armure, il va au boulot avec. Chris, t'as arrêté de fumer, donc je te dirai pas d'acheter le cigare. Par contre, est-ce que Zatch, il fera la même coupe que son perso et la même teinture? Je ne pense pas. À mon avis, le jeu, il va ramer quand il y aura le perso à Zatch, là. Mais il y a deux choses qui m'ont épaté, déjà le tir de sandwich, mais ce qui m'a épaté c'est Bubu. Bubu elle a réussi, il y a un ennemi genre il s'est caché sous le sol et lui a tiré dessus quand même avec la vigilance. Non, j'ai pas réussi. Par contre là, oui. Les armures gardiens, quand même, ça booste de ouf, hein, parce que j'ai vu, Splash, il s'est pris une explosion nucléaire, l'autre, il s'est pris un ultra-laser, il est pas mort, et, non, à l'époque, là, quand j'avais le Kevlar, oh, il serait mort, j'aurais dû recharger la sauvegarde, quoi. Là, Splash, limite, s'est pris une explosion, il avait encore deux tiers de sa vie et tout, je suis choqué. C'est pas mal, la technologie. Eh Sora, en fait, je vais te demander sur Discord, j'ouvre un channel pour Ni No Kuni. Vas-y, je vais faire ça. On mettra nos photos. Par contre, je sais pas si ça sauvegarde où mes photos quand je les prends sur le PC. Alors, Sandwich. Sandwich, tu dois être Scanboy. Vigilance sans faille. Si vous utilisez tous vos points d'action pour les déplacements, tir de vigilance automatique à la fin du tour.
protecteur pour chaque tir de vigilance réussi. Ouais, non, je te mets souvent en vigilance, donc protecteur. Corbeau. Bien sûr. Si vous n'êtes pas déplacé, plus 10, plus 10. Si visé, position défensive, ouais, non, plus 10, plus 10. Les blessures de 7 jours max. Encore une fois, c'est splash. Recul du projet Avatar 2-2. Oh putain, oui. C'est miné la porte, ok. On va aller dans une autre dimension. Améliorer la salle de décryptage. Putain, ça prend 18 jours pour déblayer. La porte psionique que nous avons récupérée. Nous allons devoir modifier la salle de décryptage en conséquence, commandant. On va mettre la musique à fond. Hier, ils ont été à 5 heures. Du mat? Tu sais que tu peux appeler la police, hein? Non, après, ça va te foutre dans la merde. C'était samedi soir. C'était pas la fête de la musique, non. Ah, je me rappelle, j'étais ultra loin. Ça m'a bien aidé. J'ai un ravitaillement dans 13 jours. Donc on va installer des relais. Ah, j'ai pas assez. Si. Après, ça m'a montré le truc, là. Ah, merde. J'aurais dû sauvegarder. De décryptage, comme vous le verrez. Est-ce que c'est un ancien? Je n'en ai pas vu depuis au moins 10 ans. Oui. C'est quoi ça encore? Pourquoi? Les anciens semblent atteints d'une forme particulièrement aiguë de dégénérescence des tissus. Une atrophie musculaire si rapide et totale qu'elle dépasse notre entendement. Donc ils sont morts. Tant mieux, non? Non, il y a un mais. Mais cherchent désespérément un traitement à leur maladie depuis des siècles. Ah, et donc c'est avec les êtres humains. Contre une nouvelle espèce, ils se procurent les informations et le matériel génétique nécessaire, et puis ils passent au monde suivant. Mais pas cette fois. Ils ont découvert quelque chose en nous. Quelque chose qui les pousse à prendre racine ici. Un remède? Impossible de le savoir. Plusieurs fichiers ont été effacés. Il concernait un projet nommé Directive Avatar. Avatar. Il nous faut ces fichiers. Si je pouvais accéder à un codex 100% opérationnel, je pourrais peut-être les récupérer. À moins que vous ne réduisiez le vaisseau en miettes cette fois. Je n'ai pas dit que la créature devait être à bord, Bradford. Je pense pouvoir me connecter à l'unité à distance. Si vos hommes arrivent à s'approcher... C'est pour ça qu'il y a la guerre. Ils auraient pas pu demander gentiment, genre. Salut, on a des technologies avancées, on les échange contre votre ADN ou je sais pas. Nouvel objectif ajouté. Ça en fait des quêtes là. Je vais me dire améliorer. J'ai mis à jour nos objectifs en fonction de ma... Non. Samy, je vous laisse pour un court instant, je reviens à toute Sora. Moi, je vais essayer de générer de l'argent pour que les jours s'étalent. Quand il y aura le ravitaillement, je vais gagner plein d'argent. Et je pourrai construire la salle de Zatch. Mais j'aimerais bien choper un autre Ouistiti. Cache de ressources. On va faire la cache de ressources. Calcul du nouveau cap du Talion. Eh, j'ai libéré une bonne partie de la Terre quand même. Examiner les cibles. Alors, très difficile, mais je gagne un ingénieur. Des renseignements. Place des chrysalis supplémentaires à chaque mission. Oh, ça va être super chiant ça. Bonjour, pouvez-vous réduire vos corps en purée médicamenteuse pour sauver notre race? Oh, il y en a qui auraient dit oui, Chris. Bon, ça, bah, ça n'est pas encore fait. Je suis pas portugais, ok? Réduit le compteur de l'installation extraterrestre de 2 semaines. Ouais, on peut faire ça au pire, ça a l'air d'être le meilleur. Comme ça, j'ai l'ingénieur. L'ingénieur s'augmentera à la fois le déblaiement et la construction de la salle. Ouais, ça m'a l'air d'être le meilleur plan. Je sauvegarde et je fais ça.
Là, j'ai grave bien reculé le projet Avatar, je suis bien content. Oui. Grave. Elle sera prête pour X comme 3. Non, en vrai, y a moyen de moyenner, comme on dit. C'est celui-là qu'il me faut. L'ingénieur. Ouais, vas-y. Ok. Il va me falloir du sniper. Non, non, le jack, on va l'oublier un moment, frérot. Tiens, je suis échoué, moi, je suis mort ou quoi? Ouais, blessure légère. On l'avait promis pour il y a 2 semaines en plus. Bah écoute, hein, c'est ça, les travaux en France, toujours en retard. Je devrais taffer à la SNCF. Deux snipers, deux spécialistes, un ranger, un grenadier. Ah, quoique Sarah, elle est secouée. Pourquoi ça? Ah bah, j'ai pas vu la fin du jeu, je peux pas dire. Mais pourquoi? Ganyu. Ganyu, je vais te mettre les armures gardiens. La volonté, oh, on s'en moque. Univers alternatif où tu joues les aliens avant le 1 et tu envahis les humains. Ouais, ça pourrait être intéressant ça. Mais comment ils vont le justifier? Mais on fera... Et puis surtout, comment ça serait difficile vu qu'ils ont un avantage technologique et génétique ou autre? Je pense que je vais prendre Sandwich malheureusement parce qu'il est pas blessé. Les autres ils sont secoués et tout. C'est donc 2 snipers, un ranger, 2 spécialistes healers et. Ouais, ça a l'air d'aller, écoute. Sur la difficulté, c'est rééquilibré. Animal multiverse. Parce que si tu veux, je sais pas après. Mais j'ai pas joué au 1, donc je sais pas. Est-ce que dans le 1, les humains, ils ont quand même réussi à leur donner un sérieux challenge? Je sais pas, moi, les bombes nucléaires ou. Mais ça serait pas bête, ça, Zatch. Fait que tu tombes sur, je sais pas moi, des. Je sais pas comment ça se passe, les différentes armées du monde ou. Ou par exemple, le corps des Marines, les snipers, les spetsnaz. Moi là, par exemple, là, les aliens qui contrôlent mentalement. Ou alors, Zach, si, tu sais comment tu le fais? Tu fais genre, c'est pas tu dois t'infiltrer, mais genre. Il faut pas que t'attires la. Non, je sais pas, je sais pas. XCOM, c'est le premier contact. Mais genre, dans XCOM 1, comment ça se passe? C'est direct la guerre, ils viennent, ils nous envahissent? Ou. Y a pas de discussion, genre. On se fait tous envahir.
Bien qu'une colonie extraterrestre arrive sur Terre en mode colon, genre tu devs ton arbre de technologie. Oh là là, l'invasion a été contrecarrée face au commandant, puis hors jeu a été capturé, les aliens ont envahi pendant 20 ans. Ah d'accord. Il les a mis en échec quoi. Parce que moi je sais pas, XCOM 3, j'imagine à la fin tu sauves la Terre de XCOM 2. Je me trompe peut-être. Et XCOM 3, dans ce cas-là, tu fais genre... c'est la contre-attaque, on va attaquer les mondes extraterrestres. Par contre, la chose qui me tue, c'est que c'est vraiment des balances, les êtres humains dans le jeu. Allez-y et détruisez la cible. Genre, je suis étonné que t'aies pas des sympathisants ou une connerie. Quoi. Mais dans le 2, tu vas t'occuper de la source du problème. J'en dis pas plus. Quoi, déjà? Ok. Ok, tout va reposer sur Sandwich. Je bouge. Ça pourrait nous servir. Ok, 60%, c'est quoi? C'est 3 chances sur 5? Les sympathisants, lui, sont hors des villes. Ah, c'est les mecs qu'on voit à chaque fois, d'accord. Je suis étonné, quoi, je sais pas. C'est genre les mecs, ils me ballent, genre ils font à l'aide. Attention, qu'il y ait des têtes. Oh merde. Ils ont pas cramé que je suis là. On va attendre un peu, alors. On va s'avancer. Ah, mais quoique. Et heureux sera. Quoique, j'aurais dû tirer. On va faire ce tour-ci au pire. Ah, qu'est-ce qui se passe? Wow! Quelque chose a explosé là, non? Il y a eu un boom là, non? Ok, avec Ganyu et lui, on va faire les hostilités. On va juste mettre les autres en vigilance. Oh ok, on m'a pas vu. Oh merde, c'est ça, il me fait chier le mec qui s'en va. Affirmatif, j'y vais. Ah, je veux vraiment... Ouais non, faut pas que je les colle. Quoique, eux c'est des snipers et l'autre il me fait pignon ardent là, il faut qu'ils s'envolent d'abord. Adven se fait passer. Ouais, non, non, j'ai vu, ils font genre. Tiens, la sécurité sociale, ça a bien dû marcher en Amérique, ça. Mais même là, je sais pas, tu vois. Même si demain il y avait des aliens qui viendraient et qui seraient cool, j'ai quand même envie de rester indépendant. Genre, c'est quand même ma planète, quoi. Ok, toi t'as... Ouais, toi c'est bien. Toi, t'as ça. Faut que je le mette comme ça, dès que ça bouge, t'arroses. Petit dragon, il passe 4 étoiles. GG.
Alors, 100% sur la tourelle, on s'en moque. 100% sur un codex, je dis pas non. Bon, allez, on va commencer par un petit codex. Attention, ça commence. Là, ça va arroser pendant 5 minutes, là. Ça va se téléporter, ça. Clone, voilà. Splasherie ou crisserie, je sais pas. Bubu. Gagne. Bubu. Cible éliminée. Cible éliminée. Gagnon. Dirait motus, genre voyelle, consonne, voyelle, consonne. Sora. Ah, Sora, tu lui as désintégré sa race. À la tourelle, elle tourne pas ou quoi au fait? Implacable, promotion. Il m'a insulté dans sa langue là. Can you? Oh dommage, t'as fait du très bon boulot. Sandwich. Merde, il va être énervé. Je caboume tout. Ah bah là, clairement. La tourelle. Sandwich. Il est presque mort en vrai. Sandwich. Oh, il est mort. La mitraille est moins d'atomes. Ouais, non, franchement, oui. Sandwich. Mais Sandwich, il a pété les plombs, quoi. Putain, Sandwich, il est plus utile dans le jeu que sur Twitch. Putain, c'est un viol. Oui, pourquoi je peux jouer avec Ganyu? Ah genre elle a tellement assuré qu'elle a le droit à un tour, j'ai rien à faire, je reste où je suis. Je peux pas recharger, non. Ah bah là il a assuré. Bon bah voilà, hein. Je vais quand même te faire... Ah oui, tu m'enlèves mes skills, j'avais oublié. Vous, il va falloir que vous vous rechargez et que vous quittez la zone. Ah, t'en as 3, bien, très bien. La toile à la con, elle va être utile pour une fois. Ah ouais, 20%. Super la tourelle, on va te buter après. Le vioc. Le vioc, tu vas me faire ça. Et tu vas recharger là-bas. Voilà, tu vas loot, recharger et à couvert. Ah non, parce que la zone violette elle explose, c'est pour ça je me dis les persopsies peuvent être pas mal. Toi peut-être va falloir que t'avances en vrai. J'aurais peut-être dû te déplacer au prochain tour, ouais. Genre ouais, vas-y. Toi tu vas commencer à avancer. Mama par contre il va tirer sur la tourelle. Faut commencer à l'éliminer parce que j'ai pas envie qu'elle me tire dans le dos. Ouais. La voie est libre. Là, tout le monde se casse, tout le monde recharge. On peut y aller. Ça
Ça va reposer sur Bubs, mais je pense pas que Bubs elle puisse le tuer en un tour. Je vais me mettre en position. Bon après, j'ai sous-estimé le soldat Bubu. Oh non, là, excellent. Là, franchement, c'est excellent. Bah, ouais. Ça me fait rien, super. La voiture, elle explose pas? Non. Sora, c'est qu'une fois, t'es morte dans le jeu. Et la voiture, elle avait explosé, et depuis, j'ose plus. Je culpabilise. J'ai des flashbacks, genre, comme si j'avais fait la guerre du Vietnam. Toi, on se met là. Maman. Ah ouais, maman, t'as beaucoup de balles. Maman, on t'amène direct là, même. Allez, on bouge. Commence à avancer tranquille. Le temps qui peut exploser, je pense, ouais. Sora. Y'a quoi par là? Y'a quoi par là? Je me souviens. Vigilance. Non, on garde Bubu en dernier pour heal Chris au cas où. En vrai de vrai, je suis pas si loin, non. Protocole de scan, ouais, vas-y. Merde, ils m'ont vu, non? Ah si, merde, ça a activé son truc. Putain. Oh, c'est de la triche. Mais lui, il m'a pas vu, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi il s'est transformé? Merde. Quel point? Quoi? De quoi tu me parles? Attends, j'étais... Oh non, non. Les squads récupèrent tous les points. Toujours pour XCOM. Je vais dire, je fais un call Lyoko maintenant. Putain, Chris il va se faire agresser. Je reste en observation. C'est ça que je voulais scanner là. Je vais te mettre derrière ça au cas où il y a quelqu'un. Mais j'ai peur de trop t'avancer. Ah, j'ai le gros caca qui va venir bien sûr. Quand le gros caca il se fait scanner, il sait ça vient d'où et tout bien sûr. Bon, il a dû voir le drone, non même pas. Chris, c'est un peu loin. Dommage. Oh putain, il va sur Sora. Sora! Je vais te manger au prochain tour. Vous êtes content? C'est Gueule d'argile dans Batman. Il a trouvé un nouvel emploi. C'est le sida, ça, je crois. Les futures générations, tu leur fais croire que ça, c'est le sida, je t'assure, le sida, il va disparaître. Sandwich, ça, c'est une station-service sandwich, j'ai pas envie que t'explose. Bien reçu, en route vers la cible. En vigilance. Il est tout seul, il va se faire arracher si je vais vers la porte et j'ouvre. Je dois pouvoir faire ça. Tant pis, on va faire ça. J'imagine il y a des gens, non? Ok, vigilance, on verra au prochain tour pour exploser la tour tranquille.
Mais au tout début du tour, la tour 1 ou tour 2, il y a un truc qui a explosé avant que je sois cramé, je vous jure, je sais pas c'est quoi. J'ai entendu un boum. Menace un sac, la transmission extraterrestre se poursuit et nous allons manquer de temps. Rejoignez ce relais et détruisez-le. Ah, bah t'as qu'à venir m'aider, frérot. Bon, il est où le deuxième escroc? La tête sera prête pour le prochain tour. Faut commencer à avancer vers le soldat Chris. Putain, j'ai galéré. Vas-y, Sora, il tente qu'à boomer quand même. Ah, ça a pas blessé le truc. Tant pis. Je sais pas si je vais réussir à le péter à temps en vrai. Hein. Sandwich par là il sera découvert. Ou alors je fais rentrer Sandwich et il y aura Chris qui le couvre genre. Bah voilà, bah oui, bah oui. Bah oui, voilà, 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 voilà. Bon bah on a perdu Sandwich. Dites adieu à Sandwich les amis. J'espère que. Oh vigilance, oh le chien. Mais je crois que la vigilance s'applique pas à Chris. Et voilà. J'ai envie de faire un code Lyoko maintenant. Chris, Chris, Chris. Si tu te mets à côté de Sandwich, tu vas te manger la grenade. Chris, Chris, Chris. Je crois que j'ai peut-être une solution pour toi. Si je te mettais là, tu peux pas tirer? Ok, là je fais un col Lyoko. Oh, je meurs. C'est vraiment la fenêtre du diable. Oh putain. Je me suis dit, vas-y, la solution elle va être plus gérable. Oh, je suis pas. Pardon. Oh, c'est. Non, pardon. Eh, j'imagine trop la tête du perso quand il saute par la fenêtre. Il fait genre. Quoi? Il fait Metal Gear. Metal Gear. Non, le coup de la fenêtre, c'était genre bon. Mais un jour, je pense que je vais vous refaire une run. Et j'aurai pas le droit de faire ça. Genre, ça marche ou crève. Ça va être ultra chaud, en vrai. Ok, bon, au moins, on sait où sont les ennemis. Autant tricher, quoi. Libre.
J'ai vu les DLC, ça coûtait 8 euros, mais j'ai pas acheté. Mais je note. D'accord, Sandwich, tu vas te faire arracher le cul, donc tu vas aller nulle part. Voilà, et au prochain tour, ça sera la guerre. Sinon, tu vas le trouver répétitif. Ah ouais? Dommage. Là, avec Sora, je vais tricher. Je vais péter ça. Comme ça, ils auront la vision, mes snipers. Mais je sais pas si ça va être possible de péter le truc en un tour. Peut-être je suis en train de perdre. En gros, faut que je pète à peu près par là. Oh merde, je suis un humain. Explosion, ouais, c'est bien le perso de Sora, ça. Voilà, ça va m'offrir la vue, je pense. Non. Ça va être vraiment chaud, patatos. On va aller avec Sandwich au casse-pipe. Le vieux, on verra ce qu'il fait après. Tiens, j'ai toujours pas repéré les mecs, mais je suis aveugle ou quoi? Ah voilà, merci Bubs. Il faudrait que j'arrive à hacker un robot. Pourquoi ils ont pas tiré les snipers? Sandwich. Si Sandwich il prend contrôle du robot, je peux m'en tirer. Une chance sur deux, c'est chaud. Yes! Oh là là! Ok, c'est gérable. Est-ce que je contrôle le robot déjà ou non? Il me reste que le vioc. Ok. Faut pas réveiller les autres tout de suite. L'humain me met dans la merde, quoi. Ah, j'ai vu les autres ennemis. Ou plutôt, ils m'ont vu. Vu qu'il brûle, il sera tué par le feu, je pense. Oh, je vais devoir détruire la tour en un tour. Mais sniper, il voit pas, genre? Tout à l'heure, c'était pas deux Goliaths, c'était deux robots, non? Ou j'ai pas fait gaffe? C'est grave la merde avec l'autre là. En vrai, avec le gros robot que je contrôle, si j'ai la grenade, ça peut être gérable. Il brûle, ouais. Le problème, ça va être Chris. Tiens, Chris, t'as ta dernière promotion. Gros problème, ça va être Chris. Ah non, s'ils attaquent pas Chris, c'est un peu gérable. Ah, il va toucher? Oh merde, alors c'est Sandus qui va mourir, il me fout dans la merde. Mais là, les snipers, la gagnou truc. Il fait quoi là? Il fait la bombe, merde, Chris. Non, Sandwich? Ok, Sandwich est mort. Ah ouais, non, ah waouh! Il me ressuscite à mort. Ah oui, ah oui. Pas mal ça, pas mal du tout. Le problème, c'est les deux Goliaths, quoi. S'il me fait une grenade, Chris.
Bipi, le robot. Oh, si c'est le robot, ça m'arrange. Ok, il y a juste un Goliath. Un Goliath, ça peut être gérable. Sauf s'il va sur Sandwich, ce connard. Tu vas sur le robot? Le robot, ça m'arrange. Ça me fait chier, mais ça m'arrange. Oh, super! Ils m'ont mis low life. Impeccable. Je sais pas pourquoi mes snipers, ils ont pas tiré. Ça peut aller si tu me laisses jouer. Il est où le robot? C'est le robot qui peut me sauver la game en vrai. Alors, c'est ça là, micro-missile, d'accord. Ça m'a toujours fait chier quand c'était contre moi. Alors pour une fois que je peux l'utiliser. Ah ça a pas trop blessé. Si quand même, ok. Bon là par contre c'est vous, vous êtes useless genre. Non mes deux snipers ça a été l'erreur de la partie. Quoique ma main. Non pas le robot ma main bordel. Je peux tirer sur le gardien d'ici. Ouais en plus il a pas son shield, vas-y test. Super. Bubu, elle fera un heal de masse, on va faire ça. Ganyu, elle va rush. Sora, tout repose sur toi. Alors normalement ils sont dans le truc, mais je sais pas pourquoi je vois pas les ennemis en rouge. Genre ça les a... Je vise mal? Putain, j'ai perdu un tour. Désolé pour la pression, ça. Bubu elle soignera. Il faut que j'envoie Chris au casse-pipe, donc putain. Oh, tu peux péter la tour, Chris? Vas-y, s'il te plaît. Oh, ok, c'est jouable. Bubu elle fera un heal de masse. Menace 1-5, destruction du relais confirmée. La transmission a été coupée. Éliminez les ennemis encore présents et évacuez la zone. Cible neutralisée. Ok, ça va, ça reste jouable. Enfin, ça va dépendre de Sandwich aussi, s'il se prend des dégâts, cet abruti. Oui, j'ai été méchant. Merde, ça va régénérer le robot aussi? Chris, il peut tanker, je pense. En tout cas, il en reste deux ou trois. Mon gros problème, ça va être Sandwich. Quoique Sandwich a tué quelqu'un, donc je crois qu'il est intouchable. Genre la première attaque ne le touchera pas, un truc comme ça quand il tue quelqu'un, je peux me tromper. Le robot est toujours piraté, ça va, il va pas se retourner contre moi. Avec un peu de chance, ils vont peut-être attaquer le robot. Tu tires sur Sandwich à travers le mur? Ok. C'est le Goliath. Ah, ouh, toi, c'est vrai que tu peux faire un ultra laser. Oh putain, il va tuer Chris. Dommage. C'est quoi ça? Ok. J'ai cru qu'il allait manger Chris. Genre qu'il allait l'absorber et tout. Ah, il s'est régénéré 8 PV sur Chris en plus. Oh, les sros. Waouh! Très beau jeu. Ok, maman, tu peux pas m'aider. Bah, maman, tu vas commencer à te redéployer. Ganyu, je vais te jouer. Parce que
que Ganyu, si tu tires sur le gardien, ça va bien le blesser. Ensuite, je vais jouer au kamikaze. Je vais mettre le robot ennemi à côté du gardien et faire micro-missile pour tuer mon robot ennemi avant qu'il soit dépiraté. Et ensuite, je vais prier pour que Chris y meure pas. Parfait. Oui, mais c'est... Voilà, robot. Pas mal, hein. Sora, il y a l'autre mec qui me fait chier. On l'a que à 23%, ok. Sandwich, tu vas venir en retrait. Parce que t'es trop... Tu prends trop cher. T'as vu le nombre de skills différents qu'il a des... Oh non, c'est un truc de ouf. Bubu, elle va être à découvert, mais Bubu, elle va soigner Chris et Sandwich. Non, Chris, j'aimerais que tu tues l'autre mec. Genre, tu peux pas aller le fumer. Oh, je peux comprendre. Non, mais en plus, il ressuscite. Moi, tout à l'heure, heureusement, il était à côté de toi, je crois. Parce qu'en plus, il ressuscite les morts et tout. C'est un merdier comme ennemi. Genre, s'il m'avait ressuscité l'autre gars et tout. Ouais, non, non, sur le long terme, c'est ultra chiant. Là, tu le blesses un peu. Il brûle, il perdra des PV au prochain tour. Le gros problème, c'est le gardien maintenant. Ah, t'as fait l'erreur d'avancer. Super. T'attaques Bubu, Bubu est découvert, c'était logique. Bubu. Ok, l'ultra laser a été retenu par un échafaudage. Attends, il est en second tour. Non. Il y a un rat qui vient de passer, je crois, mais j'ai du mal à voir. Non, s'il y avait un rat, Bubu, elle l'aurait tué avec la vigilance. Oh putain! Bah, je crois que la mission est terminée. Et voilà. Oh mon dieu! J'ai beau savoir que ça existe, les gueules d'argile, je m'en remets pas, je sais pas comment dire. C'est toujours dégueulasse. Par contre, j'ai pas fait gaffe où il est. Il est où? Il est là? Je vais ramener tout le monde au Berkia et puis basta. Voilà, tout le monde à côté d'une fenêtre et vigilance. Alors j'ai du misclic parce que c'est pas là où je voulais le mettre, mais bon. Flambe humain, grave. C'est François Hollande dans une autre timeline. Attends, quoi, il y en a encore un autre? Ok. Ah merde, il va vers Chris, on dirait. Je pense qu'il y a peut-être deux ou trois personnes qui peuvent lui tirer dessus. Bah, heureusement, c'était de l'électrique. Hein. Sinon, la station-service, elle explosait. Dommage. Ça va être chiant. Sora.
J'aime pas les flambis. Sora, elle te désintègre au niveau atomique. Un de moins, plus que quelques milliers. Ok, Sora, pas de flambis pour elle. Menace 1-5, statut confirmé. Tous les ennemis sont morts, la zone est sécurisée. Menace 1-5, statut confirmé, mission accomplie. Sora, ça fait quel effet d'avoir terminé cette mission? Sora, je crois, à cause de moi, elle va rejoindre l'armée pour de vrai. Pourquoi vous voulez rejoindre l'armée, madame? Pour kaboomer l'ennemi. Plus gros dégâts. Capitaine Hamburger, sandwich Simnel Kebabi. Plus offensif, Capitaine Chris, Levec Pixel. Plus visé par l'ennemi, Capitaine Hamburger, sandwich Simnel Kebabi. Plus en déplacement, Capitaine Chris, Levec Pixel. Je suis fier, mon capitaine. Ah non, on commence à bien gérer. En plus, on ramène un ingénieur. Ça va déblayer plus vite. Ganyu est trop belle. J'ai envie de lui ramener l'uniforme dans Genshin Impact. L'armure gardien, là, tu le ramènes sur Genshin, c'est mort. Elle a plus de défense que Zhongli, je crois. Quand même, c'est une sorte d'armure d'Iron Man, quoi. À mon avis, ça doit être ça les meilleures armures du jeu, là. Genre, c'est fini, quoi. Je dois avoir la meilleure attaque et la meilleure défense du jeu, je pense. Je viens de tilter, tu peux plus... Tu peux faire plus 7 d'équipement à Ni no Kuni. Alors, j'ai pas compris si tu peux faire un 7 d'équipement sur Ni no Kuni ou au contraire, tu viens tilter qu'on peut pas. Parce que si on peut, entre ça et les cinématiques d'invocation, c'est 2-3 détails que Genshin devrait copier. Je suis level 42 sur Ni no Kuni, je galère à map. Moi je suis 27, mais en gros j'ai laissé mon perso farmer. Mais j'ai pas fait la quête histoire, c'est ça le problème, j'ai pas encore parlé au roi. Ma quête est stock à 43, la galère. Ah, ta quête pour XP. Mais chaque jour t'as pas les quêtes de machin express qui permettent de gagner des levels? Ou les quêtes de réputation peut-être, je sais pas si on a un jeu. Moi, non, j'ai farmé des mobs, j'ai gagné des stats en plus, genre. Ah ouais, Chris est gravement blessé, mais t'as fait du bon boulot. Chris, est-ce que tu veux tir rapide? Ou est-ce que tu veux faucheur? Oh, intéressant ça. Sora, est-ce que tu veux... Ah, tirer une salve? Tu lances les... Si votre première consiste à lancer les grenades, tirer des armes lourdes, elle ne met pas fin à votre tour de jeu. Ok, donc tu pourras faire de lancer des grenades et tirer en même temps, je crois. Et plus de balles, lance une plus de balles. Ah non, non, la plus de balles ça consomme beaucoup de munitions. Faucheur, ok. Ça, je te mets salve comme ça, grenade et tir.
plus de balles, en gros, ça a te bouffé 4 munitions pour être sûr de toucher, mais ça fait les mêmes dégâts. Vous pouvez vous reposer. On a l'ingénieur. Ok, cousine. Merci, Kate. 15 jours. Faut qu'on passe à moins. Huit jours, parfait. Je sauvegarde. Et je pense que ça peut être bientôt bon pour Zatch. Ouais, 8 jours, ouais, ça se tient. 8 jours et ravitaillement 9 jours après, j'aurai le pognon juste après. Vu que j'aurai pas assez, je vais en profiter pour augmenter. Voilà, on va installer des relais pour se faire de plus en plus de thunes. Mettons le cap sur l'Afrique de l'Est. On vous reçoit. Niche de continent, tous les projets d'armure et de terrain deviendront instantanés. Oh, ok, intéressant à savoir. On va aller récupérer un truc que. Ouais, voilà, j'étais de la cache de ressources. Calcul du nouveau cap du Talion. Ressources stratégiques localisées. Aller faire ça. Après j'imagine j'aurai une autre mission en moment, mais bon. Je suis certain que le résultat vous intriguera tout autant que moi, commandant. Oui, commandant. Le nom de Chrysalis vient pour ça j'aurais tellement tué sur les moyens de reproduction inhabituels de la créature. Des rumeurs parlent depuis longtemps de l'existence de zombies réanimés par la gestation du chrysalis. Mais de récents rapports c'est alien ça. Nouveaux moyens de propagation de l'espèce très troublant. Ouais, ah il est OK. Ma curiosité intellectuelle a cuirasse infernale, OK. Je me demande si nous avons pris la bonne décision. Ah, mais renvoie les dégâts de toutes les attaques au corps à corps. 100% de chance d'enflammer les ennemis. Ok, l'armure parfaite du ranger, quoi. Les tourelles déployées par Advent. Attends, il fait une autopsie de tourelles. Les postes de contrôle sont automatisés, comme les unités mécanisées extraterrestres. Ils ont dû passer beaucoup de temps à améliorer les capteurs optiques et le système de visée. Que Shen aura probablement envie d'examiner une fois le démontage terminé. Advent semble n'avoir aucun problème à installer des armes. Transforme les tourelles Advent récupérées en défense automatisée. Ah, quand je me fais attaquer par les ovnis là. Oh, ça peut être intéressant ça. Zach, je vais te choquer, mais ça risque de pas être encore ce soir. Zach, il va se radicaliser. Pourquoi c'est immédiat ? Cette unité robotisée du nom de Sectopod. Pardonne-moi, Zatch. Elle était contrôlée par un pilote sectoïde. Un examen poussé nous montre que ce n'est pas le cas. Bien que similaire aux autres unités mécanisées d'Advent, probablement dérivées du Sectopod, cette machine semble entièrement autonome. Ok, super. Là, il faut que je fasse du renseignement. Comme ça, je termine de déblayer la salle. J'aurai pas assez d'argent. Au moins, je serai prêt. Voilà. Super, c'est déblayé. Ça me coûte combien pour l'autre que je pleure? Psylab. Ah non, j'ai assez, pardon. 21 jours.
Ça prend 11 jours. Pourquoi je peux pas rajouter un deuxième mec? 11 jours, ok. Dans 11 jours, il y aura le Psylab et je pourrai envoyer Zatch. C'est étrange quand même. On va chercher le ravitaillement. Je reçois un message pour vous, commandant. Ah ouais, ça fait beaucoup. Ok. On va aller chercher le pognon, ça va me proposer encore une quête. Bonjour, par contre, j'aurai forcément une mission ou deux. Comme ça, je pourrais envoyer Zatch au casse-pipe. J'ai fait un certain nombre de découvertes, commandant. Jameline Mark 3? Centrale Super! a vu une de ces choses de près autrefois. Statistiques de Une piratage. vérification, il n'y avait pas de pilote dedans quand nous l'avons ouvert. Si, non, mais écoute, hein, j'ai que ça à faire. Ah mince, j'ai appuyé à cause de. Je vais aller consommer tout mon argent vu que j'ai plus créé la salle psy. Attends, sois intelligent parce qu'à chaque fois il y a des soucis de salle. J'envoie quelqu'un déblayer ça, tu vois. Ah, peut-être ça finalement, non? Cette bobine peut fournir plus de puissance au système du Talion, mais il faudra l'isoler sous un bouclier pour protéger l'équipe. Voilà. On va creuser 8 jours. Plus que 8 jours. Je ne pense pas qu'un seul membre de notre équipage regrette que les anciens soient à l'agonie. Attendez, hein, je suis en train de faire plein de trucs. Tout le monde a sans doute retrouvé le moral dès que la nouvelle a filtré des instances supérieures. Bien entendu, ce n'est jamais aussi simple. Ils ont toujours un plan. Et j'ai l'impression que nous allons faire partie de leur remède. Voilà, on va débloquer les derniers trucs que j'avais pas débloqués ici. Reste avec moi, les soldats ont plus de chances de se faire blesser que de mourir, ça va tellement m'aider. Grenadier, super boom. Les explosifs peuvent infliger des dégâts critiques et Soral va danser. Ranger, instinct du chasseur. Les attaques contre les ennemis contournés, plus 3 points de dégâts. Attaque au sabre, 15% de chance, ouais. Le bonus des SPC augmente considérablement. Ok, j'ai plus d'argent, super. C'est quelque chose qui devait être fait. Gremlin Mark 3, on peut pas encore. Je peux créer un paquet de choses. Ah, oh, bah si. Parfait. Les Gremlins sont améliorés. Cuirasse infernale, ça me demande quoi? De l'argent. Pour en créer pour moi Splash et Chris. Voire même Sora et moi. En vrai, là, ça a l'air de bien se passer. En 8 jours, j'envoie Zatch au casse-pipe. Il y aurait. Je pense qu'on va faire des antennes radio. Hein. Où c'est que j'en ai pas mise? Ah oui, là j'avais une base de malade. Huit jours, Zatch, 8 jours. 6 jours. Le signal est bien clair. Ah, j'ai plus assez de pognon pour installer les relais, tu m'étonnes. Ça me demande tous 175. Ouais. Plus en plus cher. Je sais même pas quoi faire. Gain, ouais, gain de renseignement, je pense. Nous mettons le cap sur l'Asie de l'Ouest. On est le 11 septembre 2035. Et moi, je construis des tours le 11 septembre. Point. Point, 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 point. Ok, je gagne un ingénieur et sans ressources, et puis de toute façon, j'ai pas le choix, je crois. Let's go.
Par contre, je ne sais pas du tout où choper les livres pour commettre, débloquer les compétences. Bah, moi, tu sais, j'en ai débloqué une comme ça, genre à force de farmer. Il y a un autre truc, c'est que comme je farmais. Ah, j'ai besoin de sandwich ou de Lixus. Comme je farmais, j'ai eu un bonus, genre j'ai un truc qui me donne un machin. En gros, j'ai les trucs des quêtes déchirées et quand t'en as 100, ça te permet de refaire des quêtes là de chez Berthe ou je sais pas quoi. Ah, sandwich c'est malade. Ah non, il est là. Mais Lexus, il faut que je l'XP aussi. Ah, mais c'est une mission très difficile, c'est pas risqué. Chris, ils m'ont pas donné l'armure là pour les mecs au cac. Non. Ah mais ouais, c'est la quête du VIP, peut-être ça va bugger ça. Par contre, moi je suis pas là ou quoi? Voilà, deux grenadiers. Genre j'ai rien. Moi j'ai des canines, une émoticône, mais pour un la savante, genre un truc comme ça. Ok, donc deux grenadiers, un ranger qui ouvre la voie, Bubu en heal. Peut-être mettre Sarah vu qu'elle est là pour l'XP, c'est peut-être une erreur aussi, mais bon. Voilà encore. Eh Sarah, ça fait genre. Elle est secouée depuis 56 ans la pauvre. On va reprendre Bubu. 3 cacs, un snipe, un spécialiste, ouais, ça peut le faire. Et au fait, j'ai gagné 4 coffres que je peux ouvrir au level 43, mais je sais pas ce que c'est. J'ai gagné des teintures. Mon perso, il est jaune. Faudra que je montre sur Discord. Là, je m'excuse à l'avance. Peut-être je vais avoir la quête où le VIP est hors map. Que j'ai Remlins 3, j'ai plus de piratage en théorie. Sora, c'était une partie sur Among Us, il y avait un type, c'était ça son pseudo. Et à un moment, il me suivait et je disais, oh mon dieu, son pseudo est en train de me suivre, tu vois, et ils se sont tous marrés. C'est le chef Lampion, la fille c'est Ni No Kuni, chapeau studio. Demain je me tâte Sora, mais je pense que peut-être je vais changer. Genre mon planning ça va être genre lundi Ni No Kuni, mardi XCOM 2, mercredi Hollow Knight, jeudi Genshin, vendredi Chris Tales qui sera peut-être terminé, je sais pas du tout si je suis à la fin ou non avec tous les schmilblick. Samedi, on remet Ni No Kuni une deuxième fois. Et dimanche, X comme deux. Comme ça, je pourrais faire mes quêtes. Je pourrais évoluer beaucoup plus vite. Parce que j'ai un perso genre level 27, mais j'ai toujours pas le. Sora, genre, je peux toujours pas avoir de monture vu que j'ai pas fait la quête. Alors si la mission bug pas, après que je la termine, je pourrais envoyer Pomme Cuite ou une truc psy.
Oh putain! Non, c'est là où je dois extraire ou c'est là où il y a le VIP? J'ai pas fait gaffe. Non, le VIP c'est avant. Parce que le VIP est hors map, attendez. Mon jeu il veut pas me montrer. On va avoir une autre monture, mais je sais pas comment ça débloque. Mais tu sais, il paraît, on peut mettre les teintures sur la monture. Ah, le VIP est avec moi! Oh merci mon dieu! Oh c'est super! Il est là! Pardon. Je pète les plombs. Advent sait déjà que nous sommes là. Votre position n'est pas camouflée pour l'extraction. Oui, il faut que je le renomme Frit, lui. Chris. Oh tiens, un faucheur, c'est quoi alors? Chez moi, ok. Donc en gros, c'est comme assassin, mais avec l'épée. Yes! Et j'ai 12 tours pour me barrer. Genre, je pouvais pas appeler l'hélico à côté de moi. Putain, il va s'en passer des choses. Bon. Chris va à celle-là. Pas d'ennemis. Voilà. Pas d'ennemis. On peut avancer tranquillement. Puisque c'est ça, Gagnou, tu te prépares à aller là. Merde, ça se trouve Gagnon en dessous, elle va être vue. Mais attends, en vrai, s'ils savent pas que je suis là et que je passe, genre la mission s'arrête? Non, ça peut pas être aussi simple. Pas besoin de demander deux fois. Sora, elle fait partie des cacos avec moi. Je m'en occupe. Moi. Là. C'est tout bon. Adriana Castillo. Castillo. Et Bubs. Voilà. Un premier bon tour. J'ai entendu un bruit qui n'était pas de mes troupes. Oh putain, le gros robot. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Oh putain, attends, c'est un sectopode ou un... Ou le gros robot avec les missiles? Merde. Il est où Chris? Chris épisode 2. Attends. Ah mais il peut y avoir un ennemi en face, oh fait chier. En théorie je suis sur le toit, tu sais quoi? On va pas me voir en théorie, non? Allez boum, il va y avoir la musique. Voilà. Merde! Bon bah écoute, autant commencer la merde hein. Attention, j'arrive. La voie est libre. On est grave collé, hein. S'ils ont une grenade, je vais pleurer. Yo Chris, il faut qu'il garde l'escalier. Comme ça, personne ne monte. Ouais, mais Chris, il va se faire tirer dessus. Non, je lui mets le shield. Non, j'ai qu'à le mettre là. Si quelqu'un monte, il lui mettra les screamers en théorie. Ah, oh bah oui! C'est quoi? Y'a quelque chose? Putain. Ce jeu me donne la chiasse. De toute façon, j'aurais pas pu les éviter. Oh non, s'il me fait une attaque de masse, le gardien, là, je vais me faire arracher les fesses. Vas-y, mets-lui une petite balle. Ah bah tout le monde va être en vigilance mon frère.
ça me... Ouais, mais il peut pas me tirer dessus, faut qu'il me voit. Y'a quoi par là? Scan en cours. Tout le monde en vigilance. Toi en... Oh putain, hey, je vais me prendre un Kamehameha. Ouais non, tu peux pas le tuer. Toi la meilleure solution c'est de te mettre genre là. Ah bah oui, j'ai les meufs qui vont me faire le truc, qui vont m'enlever mes skills. Enfin mes munitions, putain, merde. J'ai le sectopode qui se rapproche, ou le robot, je sais pas. Très bien. Ça aurait été compliqué, mais pas mal quand même. Sora! Non, c'est dur avec le cube. Ah, Sora, elle tire à travers les cubes. Je pense pas que je pourrais en faire de même, Sora. Ah, si. Pourquoi il y a une photo de Chris? Ok, c'est super. Mais comment t'as la vision? C'est ça qui m'épate. Intouchable parce que t'as tué un mec. Rien n'arrête le kaboom. Ah bah clairement. Par contre, les trois qui vont jouer après, là, ils vont faire mal. Ok. Ah, c'est peut-être pour ça que j'avais entendu une explosion l'autre fois. C'est lui, il s'explose lui-même. Immunité. Oh, merde. Il fait la boule. Mewtwo. Non, il me ressuscite à mort. Ah non. Ah d'accord, waouh! Voilà, il va falloir recharger. Quatre, pas mal. Deux. Cinq, c'est qui le cinquième? Le civil. Tu vas faire les deux qui restent. Voilà, toi, ça bouge, tu tires. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas m'éliminer un zombie psy, ça va m'aider. Un de moins, plus que quelques milliers. Tiens, un rechargement gratuit. Toi, t'en as un. Toi, tu vas aller au casse-pipos. Merde, j'avais oublié la vigilance. Salut, Quasar. Et vous, bah, faut s'éloigner et recharger, hein, malheureusement. La forme Quasar. Sora, elle risque de prendre cher. Alors, je suis Adontix comme deux. Pas encore, mais je reviens loin quand même. Faucheur, tu peux enchaîner plein de coups au corps à corps. Donc, si je t'amène là et je fais faucheur. J'ai un dévastateur, on attaque au corps à corps. Alors, je sais pas si je dois activer faucheur maintenant et ensuite je me déplace. Ou est-ce que je dois me déplacer et ensuite activer faucheur? Eh, hey, bienvenue, Pyro Psycho 56.
qu'on va faire ça. Ouais, d'accord, donc c'est ça. Quoique, j'ai envoyé Chris au casse-pipe. Faucheur, let's go. Ah, mais il faut que je tue aussi. Non, j'aurais pas dû faire faucheur. Oh non, j'ai mis Chris dans la merde. Tant pis, on va l'envoyer derrière, au moins, ils seront pas 10 000 sur lui. Merde, c'est vrai, il faut que je tue. Oh bah super, je suis mis dans le beau drap là. Là je suis vraiment dans la merde. Salut Pyropsycho. Amateur 10 comme 2. Ouais non, la crise il va prendre tarif. Ah d'accord, ça a tué des civils, je comprenais pas. Oh, super, comme si j'avais pas assez de problèmes. Salut Splash, mais je disais pas ça par rapport à toi, je disais ça par rapport à Gueule d'Argile. Chris, t'es tellement dans la merde. Je pense que je vais devoir call Lyoko. Bah, dis-toi que je suis en train de le réinstaller. Eh, hey, pas mal. C'est la première fois que j'y joue. J'ai un gros bisou. Mais est-ce que maman Splash, elle m'entend? Oh, la vigilance, là. Zone mortelle, gagne où? Oh non, il va désintégrer Chris. Non, il désintègre Sora. Non, il désintègre Bubu. Je me suis fait amocher. Ma position est vulnérable. Tower of the Chosen, Pyropsycho, pas du tout. Ah ouais, critique, ça m'a fait 4. Putain, ça encaisse. Pour ça, j'ai saigné toute la série UA, j'ai tous les DLC. Oh, je viens de rentrer chez elle, ok. Ah, enfin, Gagne nous réveille. C'est quoi le ton pire ennemi dans le jeu Pyropsycho? Dans le jeu de base, Vanilla, genre hors DLC. Moi, je pense que c'est les sectopodes et peut-être les gardiens. Après, je connais pas encore tout, donc en vrai... Merde, il va me faire les missiles, lui. Il va m'arracher toute ma team. Ils vont tomber du deuxième. Oh oui, il y a quelqu'un qui est tombé salement. Oh putain, le civil est presque mort. Le civil est mort. Oh, le bruit dégueulasse. Bon, on va faire un petit call Lyoko. Attendez, on va faire un call Lyoko parce que j'aimerais bien prendre le VIP avec moi. Désolé pour le bruit continu. Stobod, ils sont bien chou, j'avoue. Bah, Pyropsycho, t'as raté un moment d'anthologie parce que j'avais Sora dans le chat qui a fait genre. J'espère que tu connais les Metal Gear. Genre, elle a lâché un Metal Gear. Oh, on a rigolé deux jours, je crois. Non, mais moi-même, tu sais, j'entendais le bruit, mais genre, je voyais pas le monstre, je le connaissais pas. Et je pensais que c'était les gros robots, la CEM lourd ou je sais pas quoi. Non, non, j'ai aucun mode, j'ai vraiment le jeu Vanilla. Et j'avance et tout. Puis je vois un truc de ouf qui vient comme ça. Et en plus, à un moment, tu sais, ça monte sur ses pattes et tout. J'étais, ah. Metal Gear? Non, le soir, je te jure, le Metal Gear, il m'a fait pisser de rire. Quasar, je vais pouvoir bientôt t'envoyer dans la section psy là. En gros, quand je termine cette mission, je pense que je pourrais t'envoyer toi et Pomme Cuite pour faire des psy boys. Ok, c'est quand j'ai pas encore envoyé Chris au casse-pipe ça. Bon, bah, vu que la zone mortelle elle a pas marché, tire sur lui au moins. J'hésite à installer Long War of Chosen. Pourquoi Pyro?
Splash, kaboum. Ouais, non, moi aussi j'aurais bien aimé exploser Splash, je suis d'accord avec toi, Sora. Alors, attends, la civile elle a pris tarif. Non, signe, il peut se déplacer, il a le rechargement gratos. Ah merde, à chaque fois j'oublie la vigilance. Adriana Castillo, on va la mettre là. Flash Kaboom, c'est le toucher coulé dans Widowmaker. Sora l'a pris trop cher, on va la mettre là. D'accord, j'y vais. Chaque fois que le perso de Sora est blasé, je meurs. D'accord, j'y vais, tu sens vraiment que tu l'as fait chier. Qu'est-ce que tu vas rester en hauteur? Par contre, si je te mets trop à gauche, tu vas me réveiller le gros robot. Zombie Psy va attaquer Simbad, on s'en fout. Non, j'aurais dû te laisser à côté de la porte. Non, c'est quoi, vigilant? Ça rend le jeu vachement plus complet, mais la difficulté est un peu mal réglée. Ah merde! À toi de voir en vrai. Si je les colle tous, il me fait une bombe, je vais chialer. Mais d'ici, oh 87, vas-y, un zombie en moins. Reste en vigilance. Oh non, je me mets en vigilance parce qu'avec les mecs qui se clonent à l'infini là. En toi, Pierrot, je joue tous les mardis et les dimanches soirs à XCOM 2. T'es le bienvenu pour me voir faire des codes Lyoko. Ah oui, j'avais oublié. Gueule d'argile. Je pense que je vais me lancer dans la version de base pour le moment. En tout cas, moi je trouve le jeu super. Hein. Je me souviens d'une époque où je jouais encore avec le Kevlar. J'étais en train d'en chier. Ah, ça attaque Chris. S'attaque Simbad, pourquoi pas? Super. J'ai l'air d'avoir bien. Ah ouais, non, je reviens de loin. Là, le projet Avatar, genre, il est à 50%. Mais il y a un moment, il était à 4. Et genre, il lui manquait un ou deux carrés seulement. Oh merde, pas moi! J'avais pas la vigilance, moi? Ok, pas de vigilance quand on se téléporte. Ouais, et chaque personnage est... de mes escouades, c'est un des viewers. Si tu veux, je te montrerai un. Oh merde, il me tape là? Non, il est trop loin. Si? Ok, je prends tarif moi. Ok, le zombie, il a pas l'air de vouloir m'attaquer pour le moment. Ok. Ok. La voie est libre. Ah, il peut pas attaquer d'ici, d'accord. Bah, reste vigilant. Je passe en vigilance. Mais puis c'est l'île, on verra après. Toi, il faut que je te déplace parce que tu vas brûler. T'es déjà. Ah non, attends, quoi qu'il se passe, t'es en train de brûler en fait. Écoute, vu que tu brûles. Voilà, vu que tu brûles, écoute. Oh, il est pas mort. Non. Je vais envoyer le vieux qui a ma rescousse. Comme ça. Ah, quoique. Quoique, quoique.
Non, non, attends. Barbecue de chèvre, de coco chèvre. T'as couvert comme ça sera parfait. Merde, c'est la vigilance de quoi? Va falloir soigner les deux grenadiers. Splash, le pauvre, les gens ils veulent pas lui dire bonjour. Parce que tout est de sa faute. Hop, je peux me redéployer. C'est... Ah, ah ouais, non, j'ai pas de vue. Si, 45, c'est pas beaucoup. Ok. Donc si j'envoie Chris l'attaquer au cac, normalement elle va se téléporter. Comme ça Chris est à couvert. Quand elle se téléporte, je verrai. Oh bah, bravo Chris. Splash, t'as raté, mais à un moment j'en ferai un clip, mais toi et Chris vous avez fait un bon duo. Vraiment. C'était beau. Genre, il y avait des araignées qui. Et vous les tuez au corps à corps au... En. À l'épée, quoi, tranquille. Par contre, toi, je sais pas pourquoi je t'ai amené là. C'est une erreur. Il me reste 9 tours, ça va encore. Bébé, faut qu'elle soigne Sin, malheureusement, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Je sais pas pourquoi ça me dit Sora, je peux jouer avec elle. Après j'ai le zombie, j'ai l'autre, je pense se mettre là au pire. Mais le zombie va peut-être attaquer Sora. La voie est libre. Oh, splash. Ok, pourquoi elle explose la bagnole? Il y a un sectoïde pas loin ou un robot. Voilà, ça c'est réglé. Vous avez vu ça? Ah, attends, quoi? Il peut monter à l'étage comme ça? Oh non, Lexus qui le rate. Oh putain, ça va être un massacre. Je savais pas qu'il peut faire ça. Immunité au feu, ouais. Il va bouffer Bubu? Non, Ganyu? C'est permis ça? Putain, si elle attaque Ganyu, je suis dans la merde. Elle attend que le civil repart ou quoi? Attaque quoi là? Oh non! Oh non, super combo. Magnifique. Menace 1-5, je vous préviens que des intercepteurs ennemis sont en route vers votre position actuelle. L'oiseau de feu a une fenêtre d'intervention limitée. Jury approuve ce... Ah ouais non, franchement ils ont fait un... Pff, ils m'ont mis dans la merde dans d'autres trucs quoi. C'est ça qui m'épate, je suis à côté, je suis à 76% de précision. Ça sent mauvais? Ah, ça sent très mauvais. Parce que je dois recharger et tout. Et entre temps, il va sûrement agresser quelqu'un d'autre. J'ai entendu un bruit qui me déplaît. Voilà.
Ouais, non, le problème c'est le Gagnou. Parce que Gagnou, il faut que je lui sauve la vie. Voilà, parce que maintenant en plus elle va brûler. Donc, ouais, cousine, je sais. Donc si je fais ça, Sora elle peut recharger? Je sais pas du tout. Attends, je sais ce que je vais faire. Cette voiture a explosé, donc elle peut pas exploser sur Sora en théorie. Je dis bien en théorie. Faut sauver le soleil. Le film qui a bouleversé Genshin Impact. On va balancer une grenade avant que l'autre se téléporte, elle se clone, sans tuer Sinbad si possible. Bon, Sinbad a plus de protection, mais tant pis. Il reste le gros robot. Le gros robot, il va m'arracher au cac. Ouais, tu peux te redéplacer. D'accord, j'y vais. Et toi, Alexius? Ça, malheureusement, ça lui fait pas tant de dégâts. Hein. Attends, je sais ce que tu vas faire, Alexius. Tu vas recharger, tu vas balancer une grenade en espérant que ça fait tomber l'ennemi en dessous. Après, est-ce que ça a pas blessé Chris aussi? Bon, toi par contre. Non, je sais pas, parce que s'il fait une attaque de zone, tu vas exploser avec eux. Charger, c'est pour les faibles. Chris est en dessous. Ok, alors on va voir, est-ce que ça blesse Chris ou non? On dirait que non. En plus, il va être pris dans l'attaque psy normalement. Je sais pas si ça lui fera des dégâts. Ah, mais non, il tombe pas. Oh mince. Saloperie. Et donc, il reste Chris qui a toujours ses munitions pour une raison que j'ignore. Alors, ça a l'air d'être. Non, je sais pas, c'est toujours dans la tempête en dessous. Tant pis, on va le mettre là pour être vraiment sûr alors. Non, mettons en vigilance, on verra ensuite. Alors là, qui va mourir? On change de fusil. Bah oui, ah je l'avais oublié l'autre monstre. 6, pas mal. Mais décidément, ils ont tous la chiasse. Mais ce qui me tue, tu sais, c'est que genre, il était avec un autre être humain. Genre, il était en train de discuter. Ouais, mec, l'épisode de B1 est pas mal, et d'un coup, il se transforme et il vient m'agresser. Vas-y Chris, une petite bastos. Là, il va sûrement bouffer quelqu'un pour se régénérer. Non, oui. Merde. Une bombe nucléaire. Sora, il te fait l'attaque à Mewtwo. Il a tué son propre zombie. Ok, c'est gérable. Je pense, je crois. Peut-être pas. Non, il faut que Chris il aille fumer elle là. Ouh, Sina a découvert. Ok, j'ai rien dit. Flambé. Ah merde. Berk. Oh, je vais me prendre une teutard. Attends, elles sont super les armures gardiens. Kenny, faut que tu recharges malheureusement. Lexus, par contre, tu peux être l'homme du match. Super Lexus. Non, il est pas mort. Il reste un PV. Soldat Bubu, encore une fois, qui va sauver tout le monde. Non, quoique j'ai besoin d'elle pour Hygène. Ce qu'il faut pas faire hein, pour traverser une route. Deux. Oh non, il a fail.
Bon, tant pis, au moins il sera occupé avec moi. J'ai une théorie. Cette théorie, c'est que c'est Sora qui va sauver le monde. Avec la meilleure grenade de tous les temps. Sora, c'est ton moment de gloire. Oh, l'explosion généralisée. Très beau boulot, Sora. Ah merde, il y a le monstre. Je sais pas quoi faire pour le moment. Toi, soigne Sora. Dodo, quoi, t'as Kabu? Ah bah là, ouais, non. C'est un final flash là que tu nous as fait. Il n'y a plus de protection pour nous. Le vieux qui peut pas aller au cac. On ferait de vrai. Course et tir. Tente mise derrière juste au cas où. Il reste pas un autre ennemi quelque part? Allez. Super. Et je sais qu'il reste encore des robots. J'ai entendu les bruits de pas. Il me reste 7 tours. Super montré entre scènes. C'est compliqué. Faut que j'arrive à m'échapper. Le truc est juste au-dessus, le problème c'est qu'en y allant, je vais me faire arracher. En vrai, 6 tours, on peut se permettre encore de se battre. Je suis prêt à y aller. Tout de suite. On va voir si ça marche. Même si j'ai peu d'espoir. Sora n'aura jamais le temps de tracer. Si. Si. Bien reçu. Bon, on est vraiment dans le redéploiement. Ça va rush. J'y vais. Toi, ouais, là on va dire. Le vieux aussi, on va l'amener. Pour ce tape. Bonus splash. Escroc. Ah, ça va vers Chris. Ouh. Oh, pas mal. Super. Ah oui, d'accord. Magnifique. En vérité, je me demande si Splash et ce monstre ne sont pas la même personne. Ils sont tous les deux allés dormir en même temps. Ouais, contrôle mental. Ah non, oui. Chris, tant qu'il a son cigare, non. C'est pas mal le son mortel en vrai. Bon, après faut que ça touche. Aucun dégât. J'ai tiré dans le vide. Il fait quoi là?
Ah, il réanime. Putain, il aura enchaîné les tours, lui. Pas mal, Gagnon. Ouh, Chris. Parfait. J'ai pas d'autre, moi. Chris, avoue que t'es fier de ton perso. Ok, là par contre, faut commencer à se barrer. Sachant qu'en Overwatch, je suis à moins 15 en plus. Le bruit, il me fait peur. Presse. Kenou, il t'a découvert, mais en théorie, il y a son père. Bubu, je l'ai fait en dernier. Peut-être je t'avance un peu plus en vrai parce que j'ai plus beaucoup de temps. Et puis je vais rusher vers la fin. Signe il pourrait tirer mais ça vaut pas vraiment le coup. Par contre Signe il pourrait se mettre là, ouvrir la porte, augmenter la vision. Bubu, pas encore. Toi, en théorie, tu vas là, tu vas rien risquer. Ah merde, peut-être le contrôle mental sur le VIP, j'y avais pas pensé. Le Vioc. Peut aller m'en fumer un, mais on sait pas ce qui m'attend. Donc on va plutôt prendre position, voilà. Putain, dommage. Oh merde, j'aime pas ce robot. Fait qu'on est deux gus à découvert. En plus j'ai joué Lexus donc pour pirater c'est mort. Ouais mais tu vas perdre en précision. Quoique. Est-ce que je teste le faucheur? Vas-y je vais tester au pire, hein. Faut bien essayer dans la vie. 100 non. Ah ouais, en plus t'es empoisonné, j'ai été idiot. J'ai été idiot. Ah, je peux attaquer que lui. Ouais. Attaquer au cac ce mec, c'est quand même ultra dangereux en vrai. Vas-y, on va faire ça, parce que j'ai bubu. Si il bouge au cac, ça fera toujours screamer. Bubu, la voiture a explosé. Tu vas là et tu mets le protocole sur Chris. Ok, ça va être chaud patate. Hein. Sora, ton perso, franchement, il a grave bien évolué. Sora, ton perso, il est kaboumé, il a choisi. Oh, et voilà. Ah, dommage, il n'y a pas eu les scrims. Ah, voilà, il scrim. Ah, dommage. Non, lui, il va attaquer Sinbad. Non, il va faire... Oh, putain, non, je vais perdre le civil. Non. Oui. Peut-être. Non. Ok, du calme. Et rien qui explose, si.
Ok, ben, ça va être Bubu qui va ouvrir la voie. Bubu, elle va avancer et faire son drone qui soigne tout le monde. Tout de suite. Voilà, free hugs pour tout le monde. Gagne d'où elle, elle peut pas tirer. Ah, je dois attendre que le drone fait bisous à tout le monde, pardon. Attends, si en vrai on peut se faire le CEM. Chris, tu peux aller me fumer l'autre mec, non? Putain, 19, c'est énorme par contre. Je suis sûr, il doit préférer son perso chez moi que chez lui. Ok. Toi, tu peux hacker, mais ça vaut pas le coup pour le moment. Le civil a été soigné, c'est parfait. Protocole de combat, vas-y. Oh, super, ok. Lexus aussi commence à devenir super fort. On met Sora en position. Là, on commence tranquillement à prendre les positions. J'y cours. Toi, si tu peux monter, ça m'arrangerait. Ah, oh, et toi, faut que tu rushes toi-même. J'ai réussi 40 dommages. Ah ouais, bah respect, hein. Parce que punaise. Faut se lever tôt pour faire des dommages comme ça sur ce jeu. Enfin, c'est mon impression peut-être, mais... Menace 1-5, des intercepteurs ennemis approchent à grande vitesse. Votre fenêtre d'extraction se referme. Pourquoi on peut pas monter? Ah, j'ai dû péter l'échelle ou une connerie. D'accord. Ok. J'essaie de mettre tout le monde à l'abri. J'ai peur de réveiller un mob en allant en hauteur, une connerie. Compris. Allez, on se remue. Sur un élu. C'est quoi un élu? Ah, c'est un truc sur... dans War of Chosen, ça. En vigilance. Toi, j'ai même envie de te dire, casse-toi maintenant, parce que je sens que tu vas me faire chier. Le Vioc. Le Vioc, tu vas remonter et recharger. Et normalement, au prochain tour, ça m'a l'air d'être bon. Non, c'est pas bon, parce qu'il y a encore Bubu qui va prendre 2 heures. Voilà, on va mettre tout le monde juste à côté au cas où. Histoire qu'on soit sûr que Bubu elle parte, quoi. De toute façon, là, je crois que j'ai tué tout le monde en vrai. Voilà, tout le monde est là, je crois. Menace 1-5, vous n'avez plus le temps. Foncez au point d'évacuation. La voie est libre. Attention, j'arrive. Oh bah super, tout le monde se casse. Je reste pas dans le coin. Il était temps. Je rentre au bercail. Il était temps. Évacuation confirmée. Je me taille. Et ben parfait, et comme ça je pourrais mettre la...
Quasar et Pomme Cuite en psy. Enfin, grave. Ah oui. Plus gros dégâts. Colonel Chris le Virgue Pixel. Le plus offensif. Colonel Chris le Virgue Pixel. Le plus visé par l'ennemi. Capitaine Simad Sin Mythical. Plus lent en déplacement. Colonel Chris le Virgue Pixel. Voilà, comme ça je mets Quasar et Pomme Cuite. Pyro, mardi prochain s'il passe, je lui fais son perso. Ça a l'air impeccable. Non, franchement, je trouve moi c'est impeccable parce qu'il y a un moment, je croyais que j'allais perdre. Le projet Avatar lui restait une ou deux cases. J'étais à deux doigts du game over, je l'ai repoussé. Non, non, c'est franchement, je reviens de ultra loin. Le Stalingrad, ça a été Madagascar chez moi. Ah oui, Lexus, il voulait que je le renomme Fritz, il m'a dit. Bah, ça veut dire en théorie, Quasar et Zatch, mardi prochain. Vous êtes là, quoi. L'entraînement, il dure pas si longtemps, si mes souvenirs sont bons. C'est-à-dire mardi prochain vous êtes en psy. Je pense que je prendrai maintenant à chaque fois un psy avec 5 vétérans quoi, histoire qu'ils puissent bien XP et tout. Bah après ça m'intrigue parce que je me dis est-ce que les gens ils font comme moi ou au contraire ils ont débloqué la 5ème classe dès le début du jeu ou autre, je sais pas du tout. Ah bah tiens, Lexus en fufu, sauf si ça bug, donc bonne nuit tout le monde. Bah coucou Lexus. Lexus, t'as fait du bon boulot, t'as évolué, et je vais te renommer Frite. Et regarde, t'es une Frite technologique maintenant. La Belgique a été bien représentée, Lexus. Lexus, t'es level combien alors sur Ni no Kuni? Je suis 26 ou 27. J'ai laissé mon PC tourner, genre il a massacré je sais pas combien de mobs. Ça fait du PvP? Ça ressemble à quoi? Parce que est-ce qu'il y a vraiment du PvP vu que les compétences elles sont auto? Je crains malheureusement que ce jeu, ça va être un sacré pay to win avec leur système par contre, donc le PVP ça risque d'être vraiment merdique. Tomber contre un gars avec 470k PC. Ah ouais, j'ai 100k. Et B, t'es encore là? Coucou Sarah. Bah Sarah, il est que minuit. Tu t'es fait laver? Oh mon pauvre Zatch. Sarah-chan! Plic plic! Acclamez-la! Sarah, je vais m'arrêter là, c'est les 5 dernières minutes. Exactement, Zatch. C'est bien, t'as été un très. Ouais, t'as fait un très bon boulot. Ça, c'est un boulot de protagoniste. Oh putain, ils sont tous en train de boiter. Voilà. Lexus, je dis XP. Lexus, il faut que je te fasse. Protocole de scan parce que t'es pas un healer. C'est vrai que c'est pas si utile que ça. À un moment, ça me disait des monstres invisibles, mais bon. Bonjour, commandant. Un ingénieur en plus.
On va voir, est-ce que je peux accélérer le Psylab? Non, je peux en mettre qu'un seul ingénieur à la fois, fait chier. 6 jours, attendez, attendez. On va l'envoyer là-bas. D'ailleurs, parfait. Bientôt, bientôt, dans 6 jours. Il faut que pendant 6 jours, je me fasse pas attaquer autre. Là, je garde l'argent de côté, parce que je sais pas, vous allez me coûter combien. Le monde de canard boiteux. Ouais, j'ai oublié de. Il faut que je renomme. Lexus, je vais te renommer après. Alors, je veux pas enquêter. Enfin, je crois. Si, bah si, ouais, 5 jours. 6 jours, ouais, ça tient. Faut espérer que rien ne m'arrive pendant 6 jours. Comme ça, enfin, il pourra avoir son perso. Mais en théorie, t'as un petit laps de temps quand t'as une mission, quand même. De quelques jours, 2-3 au moins. Ok. Ces découvertes s'avéreront sans doute cruciales pour nos efforts, commandant. Sérum stimulant. Plus mobile et plus résistant aux dégâts pendant plusieurs tours. Eh, ça peut être pas mal ça sur les cacs comme le grenadier et le ranger. Je serais heureux de m'en débarrasser quand j'aurais remis comme Shen l'avait déjà supposé. Il semble que cette créature reste confinée dans son encombrante combinaison de survie. Cette dernière est également très dangereuse pour nos hommes, quel que soit le statut de l'opérateur. Comme nous l'avons constaté avec un certain étonnement. Bah écoutez, lundi, je fais Ni No Kuni. Mardi, je fais XCOM 2. Mercredi, je fais Hollow Knight. Jeudi, je fais Genshin Impact. Vendredi, je fais Crystal. Ça sera peut-être la fin. Samedi, Ni No Kuni. Et dimanche, XCOM 2 encore. Faut juste que je rename Lexus. Et que ça, j'ai pas de soucis. 4 jours. 3 jours pour le psy. 2 jours pour le psy. Super. 2 jours encore pour le psy. Qu'est-ce que je peux faire pendant 2 jours? Y'a rien d'autre à faire, si. On va repartir au truc de renseignement, ça fait un jour au moins. Faut tenir 2 jours. 1 jour. Oh non. Oh, je suis désolé. Oh, genre, il reste rien, quoi. Alors je vais voir. Parce que j'ai pas envie de refaire une mission, je vais voir. Je sais qu'un petit laps de temps peut-être. Est-ce que. Je vais voir, est-ce que la mission je la perds ou non? On va voir. Il y aura une mission. Est-ce que je la perds? Hop. Ok, projet avatar, il a direct augmenté. Non, 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 non. Est-ce que ça aurait fait la mission? Ok. La mission a l'air d'être encore dispo. Est-ce que le truc psy est encore... Putain. Est-ce que le truc psy est encore là? Ça y est, le psy lab est là et j'ai toujours la mission, super. Donc c'est là où je l'entraîne Zach chez Quasar. Super. Donc, pour y affecter un gars, comment je fais? Sergent Bomb Cuit, let's go. Oui. L'entraînement est dur. Oui, ouais, mets-moi un ingénieur, bien sûr. Ah, mais l'entraînement il dure combien de temps? 5 jours. Bon, ça va, le temps de. Ouais, ça va. C'est-à-dire, en gros, après la prochaine mission. C'est-à-dire, mardi, la prochaine mission, t'es pas là. Mais ensuite, Zach est là, je mets Quasar ensuite. C'est parfait. On renomme Lexus la frite. Et non, pardon. Je sais pas si je le nomme la frite ou frite. Tiens, je t'ai pas amélioré ton arme alors que tu faisais du très bon boulot.
La frite sonne mieux? Vas-y, ça marche, va pour la frite. Ça va, mardi prochain, ça va chier des bulles maintenant. Voilà. Major Lexus, la frite Maludor. J'aime bien quand j'ai dit ça, son perso il a levé la tête et tout. Genre oui, c'est moi. Coup d'esquive, ça serait pas mal ça. Coup de volonté aussi, ça va être bien. Je sais pas, je vais réfléchir. Bon, on va sauvegarder là, les amis. Comme ça, je suis sûr de pas oublier la mission que j'ai évitée là. Et c'est-à-dire, mission 1, il y a ni Zatch ni Quasar. Mission 2, il y aura Zatch. Mission 3, il y aura Zatch ou Quasar. Enfin, il est là. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Je vous souhaite aussi un bon début de semaine. Je vous rappelle le planning. Lundi, Ni No Kuni. Mardi, XCOM 2 avec le planning que je vous ai dit avant. Mercredi, Hollow Knight. Jeudi, Genshin Impact. Vendredi, Crystal, c'est peut-être la fin de ce JRPG. Samedi, Ni No Kuni. Et dimanche, XCOM 2. Voilà, voilà. 21h30, minuit environ. Donc vive les frites, vive les kabooms et passez tous une bonne semaine et bon courage. Ciao ciao, portez-vous bien. Encore bienvenue Pyropsycho au passage.